film décrit des événements vécus par la famille Junky. Il est basé sur des comptes rendus d'audience, des interviews personnelles et des rapports d'enquête. Et voilà, c'est là. Oh, c'est magnifique. Richard, Déborah, elle n'est pas somptueuse cette maison? C'est merveilleux. Allez, mon grand, voilà ta nouvelle maison. Allez, allez, hop, voilà. Allez. Et voilà, oui, c'est là. Je n'aurais jamais pensé que ça puisse être aussi bien. Oui, moi, je trouve que... Tu trouves quoi? Tu croyais vraiment vivre un jour dans une si jolie maison? Je crois que Déborah veut dire qu'on est un peu loin de la ville. Et alors, nous avons tout ce que nous voulons ici. Il y a de l'air, il y a plein d'espace et tu vas voir la cuisine. Tu vois, Andrushka, Cheyenne, Wyoming, grande terre de désolation. On va être bien ici. Mieux qu'à Phoenix. Tu veux que je te dise? Hmm? On dirait une maison de pompes funèbres. Vous n'avez qu'à mettre ça dans le chemin, là, juste au centre. Et alors, qu'est-ce que je vous avais dit? Votre père a sorti le grand jeu pour cette nouvelle maison. Vous allez voir les pièces du premier. Allez, montez, jetez un œil. J'espère que ça vous fera plaisir. J'ai jamais eu la chance d'en avoir autant, moi. Alors, comment tu trouves ça, bonhomme? Pas mal, hein? Ah oui, c'est génial. C'est vraiment chouette. Oui. Richard, viens dans ma chambre, viens vite. Excuse-moi, papa. J'ai toujours voulu avoir une chambre comme ça. Je vais mettre une affiche par ici, et puis je mettrai mes livres là. Surtout, n'oublie pas, je veux que ce soit impeccable. Ah, bien sûr, c'est promis. Merci, papa. Merci, papa. On va habiter ici. Ce sera une excellente chose pour tout le monde. Oui, vous verrez. J'ai toujours détesté le premier jour dans une école. On se demande à chaque fois d'où tu viens. Et alors, tu en diras? C'est pas si facile. Je viens de Phoenix et avant j'étais en Virginie. Et puis avant ça, c'était l'Illinois. Et puis avant ça, Francfort en Allemagne, parce que mon père avait été initié là-bas. Et puis avant, c'était en Indiana. Et puis avant ça, Porto Rico. Dis juste Phoenix. Qu'est-ce qui a amené votre famille à Cheyenne? Mon père y a été muté. Il y est venu quelques mois avant nous pour son travail. Cheyenne est une gentille petite ville. Oui, monsieur. Nous ne tenons pas trop à ce qu'elle devienne plus grande. Nous aimerions qu'elle reste ainsi. Et que fait donc votre père? Il travaille pour le trésor public, c'est ce qu'on appelle un inspecteur. Et il a un bureau ici, à Cheyenne. Ah, ben j'ai intérêt à me mettre bien avec lui. Bon, alors, il est temps de prendre une décision. Il vous reste la chorale ou bien la préparation militaire. Je crois que ça vous intéressera. Il y a de belles balades, des camps... C'est comme à l'armée.
Vous avez même des armes. Mon père aimait bien l'armée. Est-ce qu'on porte cet uniforme? Oui. Oui. Alors, pas de problème, je signe. Je viens d'Angleterre. Mes parents sont anglais. Nous débarquons tout juste de Londres. J'aime lire, je lis beaucoup. Entre autres, Lawrence et Hermann Hesse. J'aime aussi le théâtre. Tchekhov, Strindberg, Gorky. Et quant à la musique, je suis fanat des cantates de Bach et des nocturnes de Chopin. Cela dit, j'aime aussi la musique électronique. Brian Eno, Robert Fripp, ceux qui ont été influencés par l'œuvre de Stockhausen. Tu viens vraiment d'Angleterre? Oh, non, pas du tout, non. Tes parents ne sont pas de là-bas? Non, j'ai dit ça pour les rendre plus intéressants. Je t'assure, tu voyais mes parents. Oh, il est bien alors. Je peux être rasoir. Ah oui. Richard, prenez un verre. Nous fêtons les fiançailles de Judy. Ce sera avec plaisir, mais c'est l'anniversaire de mon fils aujourd'hui. Et on lui a préparé une petite fête après l'école. Vous aurez fini d'emménager pour samedi? Oui, bien sûr. Alors amenez toute votre petite famille et déjeunez avec nous dimanche, que tout le monde fasse connaissance, hein? C'est très gentil, merci. Faut que je voie ça avec ma femme, c'est elle qui tient le carnet des invitations. Vous savez, je crois que je suis sur une affaire importante ici. Et ça pourrait bien être embarrassant pour pas mal de gens de la ville qui ont des postes particulièrement en vue. À mon avis, vous allez découvrir que les gens d'ici sont plutôt honnêtes, ils payent leurs impôts à temps. Dans ce cas, on va vite devoir aller pointer au chômage. Oui, c'est bien, oui. Prêt, Alfie? Allez, Alfie, allez, allez. Je queue de bord. Allez, prêt? Allez, Alfie. Allez, vas-y. Richard! Richard! Et voilà, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Richard. Ah non, pas maintenant, non, pas maintenant. Allez, mon grand, prends ton cadeau. C'est pour moi? Bah, je ne connais personne d'autre dont l'anniversaire soit aujourd'hui. Joyeux anniversaire, Richie. Je sais que quelquefois je te mène la vie dure, mais tu comprendras. Allez, ouvre ton cadeau, dépêche-toi. Oui, tout de suite. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Richard. Joyeux anniversaire. Super, non? Tu vois, un fusil, c'est la vraie étape entre l'enfant et l'homme, mon bonhomme. Hein? Super chouette, non? Si je m'absente, c'est toi le responsable. C'est à toi de prendre soin des femmes. Tu comprends? Entendu. C'est jamais si un malade sexuel venait à se balader dans le secteur. Et ça peut arriver, hein? Ah oui, je sais. Il faut se rappeler, quand on tient un fusil, c'est qu'il ne faut jamais le diriger sur quelque chose que tu veux pas tirer. Ah, il n'avance plus. T'as vu? Allez, caresse la détente. Qu'est-ce que t'attends, fiston? Si t'étais au combat, tu te serais déjà fait descendre. Oh. Ah, je croyais que t'aurais pas été capable de toucher un éléphant dans un couloir. C'est pas mal, ça, c'est pas mal. Ah, tu m'as l'air doué, hein? Ah ouais, joli coup. Est-ce que la belle Ève est fâchée si son budget est encore monstrueusement amputé? Non, elle prend simplement un morceau d'argile, elle tape dessus, elle le malaxe, elle met sa colère sous son mouchoir, elle prend son souffle
et elle en fait un pot. C'est ce qu'il y a d'agréable dans l'argile. On en fait vraiment ce qu'on veut. Tu as des problèmes, Deborah? Eh bien, j'essaie de faire un papillon et je n'arrive pas à faire tenir les deux ailes. C'est manifestement trop sec. Attends une seconde. Tout le monde range avant de partir. Un beau papillon. Tu vois, c'est pas impossible. Tu y arriveras aussi dans peu de temps. Vous êtes une grande artiste, mademoiselle Whitecombe. Merci, Deborah. C'est vrai. C'est vraiment magnifique. J'aimerais pouvoir faire quelque chose comme ça. Mais rassure-toi, tu y arriveras bientôt. Tu as le sens artistique. Tu es intelligente, sensible. Tu seras capable de faire ce que tu veux. Oh, mademoiselle Whitecombe, vous connaissez ce tableau, Les fleurs de Van Gogh? Oh, il y a des moments où j'aimerais pouvoir me glisser dans ce tableau et entrer dans une des fleurs et ne plus jamais en sortir. Il est magnifique, ce tableau. C'est un de ceux que je préfère, moi aussi. Deborah, tu vas arriver en retard au prochain cours. Ah, oui. Je ne tiens pas à être en retard. C'est de l'histoire, et j'adore l'histoire. Oh, et cette fille, Cassie, elle est très chouette. Elle m'a même invitée à venir chez elle ce soir après l'école. Tout va changer pour nous ici. Ah, oui, je le crois. Cette fois, je le crois. Et papa aime bien son bureau et son nouveau patron. Qui sont ces petits génies? Aucune idée. Richard, il faut que tu surveilles ta sœur. Tu es responsable d'elle. Je ne veux pas que ces guignols se fassent des idées. Tu vois ce que je veux dire? T'inquiète pas, papa. Superman, veille au grain. Bon, espérons que Superman n'aura pas les nerfs qui lâchent. Et si vous êtes arrivé, vous devriez déjà être à la maison. On a raté l'autobus. Ah oui? Oui, c'est ma faute, j'ai trop traîné au cou. Pardon. Madame Junkie? Oui? Je suis Vera Scofield, j'habite un peu plus loin. Oh, bonjour. J'ai fait des biscuits, je vous en ai apporté quelques-uns. Oh, mais c'est très gentil, ça. Oh, ils sont vraiment très beaux. Je serais passée vous voir plus tôt, mais je vous ai laissé un peu de temps pour vous installer. Mon mari rentre pour dîner, je suppose qu'il est déjà 5 heures et il aime bien dîner à 5 heures. Le chien. Alors mon grand, comment tu vas? Mais oui, t'es un beau chien. Chérie, je te présente Madame Scofield. Je ne sais pas ce que vous vendez, mais on a besoin de rien. Oh, mais elle a apporté des biscuits bien appétissants. Tu vas te régaler. Ah, eh bien, dans ce cas, je retire tout ce que j'ai dit. J'adore les biscuits. Merci. Je venais saluer mes nouveaux voisins. C'est vraiment très gentil. Et nous sommes enchantés de vous connaître, Madame Scofield. Et voilà Richard. Bonjour. Et Richard. Enchanté, madame. Nous vous verrons souvent. Et voici Deborah. Bonjour. Bonjour. Bon, eh bien, le dîner sera prêt dans une minute. Bah alors, pas de problème. Gardez l'assiette, monsieur. Elle est en carton. Merci. Alors, où il est ce dîner? Il est plus de 5 heures? Il est presque prêt. Tout est dans le four. Je n'ai plus qu'à servir.
À propos, papa, j'ai fait la préparation militaire. Non, sans blague. L'instructeur est un sergent, il était au Vietnam et il nous a montré les armes, il les a apportées à l'école. 3 M16, un M60, un fusil lance-grenade et toute une flopée d'armes légères. Non, c'est vrai. Ouais, ouais. Qu'est-ce que tu vas faire défendre l'école contre une invasion de corbeaux? Vraiment, je me sens rassuré, tu sais. Moi, ce que je veux être plus tard, c'est un Ranger. Il porte des superbes bérets noirs. Moi, je te jure que ça me rend plutôt malade. Avec toutes ces armes, tu ressembles à papa. Tu veux manger, Déborah, et toi aussi, Richard. Non, c'est pas vrai, je rêve. Tu manges tes pommes de terre d'abord et la viande après. Il faut que tu manges tout ensemble, voyons. Moi, je préfère danser tort. Doucement derrière. Entrez. Qu'est-ce qui se passe? Je fais quelque chose qui sera pour toi. Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est idiot, bien sûr. Un papillon? Tu fais ça pour moi? Oui, parce que je t'aime plus que tout au monde, mon grand. Après, on Androushka. Ah. C'est gentil. Richard, je t'en prie, arrête, c'est idiot! Ça suffit! Tu veux retourner dans ta chambre? Alors je peux la voir? Mais oui, bien sûr, c'est pour toi. Étire-toi. Mettez-vous en position de tir. Chargez et visez. Commencez le tir. Joli coup, mon cher Junkie. Je me suis entraîné avec mon père. Chargez et visez. Commencez le tir. Tu viens manger un morceau avec nous chez Barnet? Ouais, Richard, viens. Non, il faut que je rentre à la maison. Oh, c'est ce que tu nous dis tous les jours. Enfin, c'est parce que tu me... Eh, c'est lui, ton père? Oui. Il faut que j'y aille. Dis-lui que tu viens avec nous. Dépêche-toi, Richard. En route. Salut. Salut, à demain. Au revoir. Tu viens, on est en retard. Monsieur Junkie? C'est moi, oui. Major Schwartz. Enchanté. Je veux simplement vous dire que nous sommes très contents de votre fils. C'est une excellente recrue. Eh bien, tant mieux. Merci. Viens, on rentre à la maison. Alors, c'est ton supérieur, ça? Il a eu son grade dans une pochette surprise. Il paraît qu'il a besoin d'une carte routière pour entrer chez lui. C'est un bon soldat. Il était dans les bérets verts, tu te rends compte? C'est vrai. Moi, j'étais simplement caporal dans l'armée, mais moi, on ne m'a jamais envoyé dans une école. Il se la coule douce. Il est très sympa avec moi. Sans blague, je le trouve bien. Ah ouais? Bonne nouvelle. J'ai appris une chose en ce bas monde, c'est qu'on ne peut faire confiance à personne. Tu m'entends? Personne.
croyais qu'on avait décidé que cette maison ne ressemblerait pas à celle de ta mère à Puerto Rico. Il n'y a que deux photos, c'est tout. De toute façon, c'est de mon côté de la commode. Qu'il y a. Et où vas-tu? C'est trop bruyant ici. Est-ce que tu vas dormir ici? Tu crois tout de même pas que je vais coucher avec toi, non? Mais pourquoi? Mais qu'est-ce qui ne va pas? Tu ferais peut-être mieux de te regarder dans une glace, mon cœur. Non, laisse-moi, non! Arrête! Tu vas te regarder dans la glace! Non! Ne me fais pas mal! Entre là-dedans! Non. Mais regarde-toi, regarde-toi! Non, 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 ne me fais pas mal! Non! Mais je te dis de te regarder dans la glace! Mais tu disais que j'étais jolie! T'as l'air d'une grosse vache! Ouais, d'une grosse vache molle! Tu m'avais promis de ne plus penser! Tu vas bien? Eh oui, bien sûr. C'est vrai, t'es sûr? Où est-il? Il est parti tôt pour le bureau. Déborah, tu ferais mieux de manger, tu vas être en retard à l'école. Et toi aussi. Dommage qu'il ne puisse pas avoir une crise cardiaque. Ne parle pas comme ça. Il est toujours pareil, et jamais ça ne changera. Mange et habille-toi. Tu vas rater l'autobus. Il nous a amenés exactement là où il voulait. On est à 10 km de la ville. Je ne sortirai jamais de ce trou. Il ne m'apprendra jamais à conduire. Il croit que je vais prendre un type dans ma voiture et qu'il va me mettre enceinte. Il dit que tu es censé nous protéger, Richard. Maman et moi. Vous, c'est ridicule. Si on a besoin d'être protégé, c'est bien contre lui. Richard. Ah, salut. Est-ce que je pourrais te parler une minute? En tête à tête. Vas-y, Richard. Tout à l'heure. Je vais essayer de ne pas te retenir trop longtemps. Tu veux bien m'emmener au bal de l'école samedi soir? Moi? Oui, toi. Ah, ça serait bien. Mais... Mais quoi? Je peux pas. Tu sais, c'est difficile à expliquer. J'ai été ridicule, ça va, c'est de ma faute. On oublie tout, d'accord? Non, non, je voudrais bien t'y amener, je t'assure. Et alors? Et alors, c'est d'accord. C'est ce que j'essayais de te dire. C'est d'accord. Ça me fait très plaisir. Super. Déborah?
Il est temps de se lever. Tu as oublié de mettre ton nom. Déborah, tu ne te sens pas bien aujourd'hui? J'ai pas pu dormir cette nuit. Entendu. À demain, tout le monde. Déborah, tu as pris quelque chose? Non. Il vaut mieux que j'appelle ton père et ta mère. Oh, non, non. Pourquoi? Parce qu'ils sont morts. Déborah, je les ai vus, tes parents. Eh bien, ce ne sont pas mes vrais parents. Enfin, sûrement pas. Oh, je t'en prie, ça peut pas aller mal à ce point. Moi aussi. Oh, écoute, tu as presque 18 ans, encore un an, et tu vas pouvoir quitter la maison et mener ta vie. Une année, c'est rien du tout, crois-moi sur parole. L'ennui, c'est que je ne suis pas sûre que je vais pouvoir supporter ça jusqu'à demain matin. Mais oui, bien entendu. J'ai traversé cette même crise quand j'avais ton âge. Allez, viens, je vais te ramener. Oh non, non, il ne faut pas, non, il ne faut pas venir à la maison. Pourquoi? Parce que mon père est un malade. Oh, Déborah, écoute, je t'en prie, je suis ton amie. Alors, sois franche, ne prends pas de gants, pas avec moi. Non, il est malade. Il a au moins 35 armes. C'est un fou, il en a toujours une avec lui. Même quand il va prendre un bain. Allez, viens, on va retrouver Melba. C'est qui Melba? Ma voiture. Déborah? Madame Janki, je suis Eve Whitecombe, le professeur de céramique de Déborah. Oui, bien sûr, enchantée, mademoiselle. Bonjour. Je suis un peu inquiète pour Déborah, elle semble très déprimée. Oh, elle est fatiguée, c'est tout. Elle passe la moitié de la nuit dans ses bouquins. Ah, en effet, oui. Est-ce que Déborah a un problème avec son père? Déborah a beaucoup d'imagination. Oui, elle est à un âge difficile, c'est une période qu'on a tous traversée. Oui. Mais peut-être que vous pourriez lui consacrer un peu de temps. Oh, ça c'est une bonne idée. Oui, c'est ce que je vais faire, vous avez raison. Bon, eh bien, je ne veux pas me mêler de vos affaires, mais si je peux faire quelque chose, n'hésitez pas à me le dire, d'accord? Merci, c'est très aimable. Au revoir. À bientôt. Alors, ça t'a plu? Pourquoi? Je suis trop vieille pour ces pings. Ce n'est plus de mon âge. Les Pink Floyd, maman. Oh, d'accord, les Pink Floyd. Sans blague, où sont passées les marvelettes? Elles devraient faire un film, ça serait plus calme. Bon, je voulais qu'on s'amuse un peu. Mais la prochaine fois, le film, je choisirai moi-même. D'accord. Agatha Christie, meurtre et mystère. Tu me connais, j'aime vivre dangereusement. Et moi, j'ai pris une biographie de Carl Jung et un livre de Thomas Wolfe. Tu ne reviens plus chez nous. Je crois que c'est le livre idéal pour nous. La majorité des enfants de ce monde donneraient n'importe quoi pour avoir une maison comme celle que nous avons.
Mais la majorité des enfants n'ont pas notre père. Déborah, il faut qu'on fasse un effort. Toi, Richie et moi, il ne faut plus qu'il y ait d'autres problèmes. On n'arrête pas de faire des efforts, on ne fait que ça. Mais il n'est jamais content. Maria! Bonjour! Bonjour! Nous sommes plusieurs à nous réunir chez moi ce soir pour faire une partie de cartes. Vous vous joignez à nous? Oh, je suis désolée, mais j'ai du travail ce soir. En fait, mon mari souhaiterait D'accord. que... D'accord. Une prochaine fois. Oh, elle est gentille. Vera, invitez-moi la prochaine fois, s'il vous plaît. Oui, oui. Elle essaie vraiment de devenir ton amie. Pourquoi tu ne dis pas à papa que tu as besoin d'avoir une amie? Rien qu'une amie. Je lui dirai. Oui, un de ces jours, je ferai une petite soirée sympa avec des petits fours et des serviettes nouées en forme de cygne. Et je préparerai un vrai plat portoricain comme cette ville n'en a jamais vu par ici. Je crois que papa en fera une attaque. Maman, pourquoi tu t'es mariée avec lui? Il était différent ce temps-là, si jeune. Il n'avait que 19 ans quand on s'est connus. Le premier jour où on est sortis ensemble, il m'a dit qu'il se marierait avec moi. J'ai cru que j'étais tombée sur un dingue. Tu aurais dû rester sur ta première impression. Allez, dépêche-toi, allez, mets-en un bon coup. J'essaie. Eh ben, essaie plus fort. Il faut que je demande la permission de faire quelque chose. Ouais, quoi? Cette fille, Candy. Allez, vas-y. De... Du nerf, soldat, enfonce de toutes tes forces. Allez! Tu mets le paquet, allez! Cette Candy, elle est très chouette. Elle m'a demandé de sortir avec elle. Je me demandais si. Vous pouvez y aller? Je vais y réfléchir. Au travail, allez, mets le paquet. Tu plaques en rythme et tu tournes. Comme ça. Oui, voilà. Et maintenant, tu tournes d'un coup. Oui. Et alors? C'est ça, oui. Oui? C'est bien. Ça y est, je crois que je l'ai là. Oui. T'es prête? Oui. Ah. Ah. Super! Avec ça. Il est quelle heure maintenant? Oh, tu as bien le temps. Il te faut une dizaine de minutes pour aller là-bas. Il faut que je me brosse les cheveux alors. Oh, Richard, tu les as déjà brossés deux fois. Je ne vois vraiment pas pourquoi tu te traumatises. Tu as une sacrée personnalité et si tu ne sais pas quoi lui dire, t'as qu'à parler musique. Ça sent bigrement bon. Et où tu crois aller déguisé comme ça? On relève le menton, soldat. Paré pour la première sortie? Je crois, oui. Alors n'oublie pas, amuse-toi bien, mais il faut être revenu à 11 heures. À vos ordres. J'espère que tu seras brillant. Salut. Oh, Richard, arrête! Maman. Oh, Richard. Voilà, tu as une grande allure. Et amuse-toi bien. Au revoir. Oui, au revoir. Et bonne soirée. Comment tu me trouves? Je l'ai fait moi-même.
Tu es formidable. Toi aussi. Et oh, tout le monde, voilà Richard. Bonjour. Maman. Ah, bonjour. Mon père, mes deux frères. Bonjour. Bonjour, monsieur. Tu comprends le japonais, Richard? Malheureusement, non. Le mode d'emploi est en japonais, on n'est pas prêt d'en sortir. Mon père, il comprend rien du tout. Mais ben non. Faut pas compter sur moi. La dernière fois que j'ai monté un avion comme ça, j'ai mis les ailes à l'envers. C'est bon, nous sortons à quatre. Ah, oui, oui, super, super. Allez, vous y êtes. Attention, c'est parti. Wow. Salut Richard. Ah, c'était sympa. Hé, hey, une minute. Tu sais que je t'aime bien, Richard. Bonsoir. Bonsoir. Oh, un peu en retard, soldat. On a mangé une pizza. Ne parle pas de pizza. Tes ordres étaient d'être revenu à 11h. Il est 11h37. Terminez les sorties pour vous, soldat junkie. Je me contrefiche de tes qualités de danseur. Je t'ai vu là, dehors. Tu es consigné. Est-ce que c'est clair? Cendrillon? Non. T'approche pas de moi. Ne me touche pas. T'as jamais entendu parler d'hygiène intime? Et en plus, t'as oublié de te laver la figure. Pourquoi tu te laves jamais la figure, hein? Pourquoi tu te laves jamais la figure? C'est parce que je veux pas, t'approches de moi. Non. Ne la touche pas. Qu'est-ce que t'as dit? Allez vite, entre l'instant. Non. Personne ne peut la toucher. Non. Elle est complètement pourrie. Allez, entre ou je te mets les joues à vif. Ah. Et qu'est-ce que tu veux fabriquer avec ça? Je l'avais oublié. Il va remarquer quelque chose, mais il n'en saura jamais rien. Pourquoi il me déteste à ce point-là? Mais qu'est-ce que je lui ai fait? C'était moi. Je me suis bien amusé à cette soirée, et ça, ça l'a contrarié. Il ne l'a pas supporté. Allez, vas-y, grimpe. Dépêche-toi. Tourne la clé. Il va nous découvrir. Ils sont partis pour la ville, ils en ont pour 4 heures. Tu râles toujours parce que tu ne sais pas conduire. Voilà l'occasion. Attention, tu gardes bien le pied sur la pédale, comme je t'ai montré, hein. Et tu relâches tout doux. Allez, on y va, on attaque. Oh, qu'est-ce que je fais? Pas de panique. Ah, c'est ça. Laisse la pédale, laisse la monter, là. C'est ça. Oui, relâche. Ah. C'est ça, super, tu arrives, bravo, c'est gagné. Il y a un type qui s'appelle Jojo. Il avait un nez grand comme un bateau. Il était malade d'avoir un nez aussi gros. Mais sous la douche, son cigare ne craignait pas l'eau.
À ton tour. Je trouve jamais rien, moi. Je suis contente qu'on soit venu ici. Je me sens tellement mieux. On pourrait continuer. Jamais revenir. Ah, oh, c'est vrai. On pourrait aller en Californie. Ah oui, on pourrait. On pourrait s'asseoir sur une plage et regarder le soleil se coucher. Je pourrais devenir un grand photographe. Ah oui? Et moi, je serais écrivain. J'écrirais des poèmes. Un poème de Deborah Jenkins. Il était une fois une femme qui s'appelait Claire. Elle laissait ses cheveux flotter dans l'air. Qu'est-ce que ferait papa si on s'enfuyait de la maison? Il demanderait à ses services de nous rechercher. Tu rigoles ou quoi? Il nous enverrait la garde nationale, les services secrets, le FBI, la CIA. Il ferait même appel à la police montée canadienne. Sur maman. C'était idiot comme idée. Il finirait par nous retrouver. Allez, viens. Faut mieux rentrer maintenant, d'accord? Alors, on a fait une belle balade, les genoux. On n'est pas allé loin. Ouais, où tu files comme ça? Amène-toi par là, il faut que je te parle. Je croyais que tu devais nettoyer ce garage aujourd'hui. Je vais le faire tout de suite. Qu'est-ce qui se passe? On a ces petits nerfs, bonhomme. Et alors, on a essayé de se défiler, hein? Quand je te dis de faire quelque chose, il faut le faire. Tu comprends? Ça vaut pas la peine de dire demain. Ça veut pas dire après-demain. D'accord? Tu vois ce balai? Tu sais ce que tu vas faire avec ça? Tu vas me briquer le sol de ce garage. Et après, tu passeras la serpillière partout. Tu nettoieras tout. Est-ce que c'est clair? Nettoyer tout, mon grand. Tu vois, soldat, ce que tu dois faire? Demander de pousser les caisses, il me semble, non? Je t'ai dit de balayer et de passer la serpillière! Je peux pas passer la serpillière si je t'enlève pas ça! Pourquoi tu peux jamais faire ce qu'on dit? Hein? Pourquoi? Défends-toi, allez! Défends-toi, la bête! Défends-toi, donne-moi! Allez, bats-toi! Je vais frapper le premier! Je vais te faire valser, moi, tu vas voir! Ouais, c'est ça. Allez, défends-toi, la bête. Allez, défends-toi. Allez, la bête.
Richard, qu'est-ce que tu fais là? Ça ne va pas? Qu'est-ce qui se passe? Raconte-moi. Je suis dans le pétrin. Il a de sérieux bleus, hein? Faut faire quelques examens, vérifier que les reins n'ont pas été touchés. Pourquoi tu ne me l'as pas dit plus tôt, si ça dure depuis longtemps? Je sais pas trop. Et puis, c'est mon père... Bon, je vais lui téléphoner. Non, l'appelez pas, non. J'ai demandé à ton père de nous retrouver au poste. Vous ne comprenez pas. C'est vrai, il est dangereux. Fais-nous confiance, Richard. Par ici. Merci. Bonjour, je suis Monsieur Janky, le père de Richard. John Gaffner, enchanté. Je travaille pour le Trésor public. Je suis inspecteur. Monsieur Janky, je crois que je peux clarifier rapidement cette situation. J'ai demandé à Richard de balayer le garage et il a commencé à faire sa mauvaise tête, c'est simple. Monsieur Janky, veuillez vous asseoir. Oui, bien sûr. Vous savez comment sont les enfants aujourd'hui. Je crois que la vie n'a plus de secret pour veuillez Richard. Veuillez vous asseoir. Et je peux vous dire que c'est un petit malin. Je l'ai peut-être un peu bousculé pour lui apprendre la discipline, mais très franchement, il l'avait mérité. Qu'en penses-tu, Déborah? Déborah, allez, vas-y. Dis à monsieur que j'ai été un père indigne. Ton père t'a frappé, toi aussi? Allez, vas-y, ma chérie, montre tes os en mille morceaux. Est-ce que ton père t'a frappé? J'en sais rien. Qu'est-ce que ça veut dire, t'en sais rien? Ou bien c'est oui, ou bien c'est non. C'est d'un ridicule. Dis-lui, Déborah. Alors je dis que c'est non. Madame Junkie, vous avez entendu quelque chose? Vous avez vu votre mari frapper votre fils? Non. Non, bien sûr que non. Richard, tu as quelque chose à ajouter? À quoi ça nous avancerait? Bon, écoute, je pourrais te mettre dans une famille d'accueil. Tu serais dans une maison pendant quelques jours, hein? Tu voudrais que je fasse ça? Dans une semaine, tout ça n'aura plus aucune importance. Il s'agit d'un petit malentendu, idiot. Nous allons peut-être vous laisser entre vous pendant quelques minutes, rien que la famille. Merci. Nous allons vous attendre dehors. Merci. Alors ça, c'est magnifique. Tu aimes affoler ta mère comme ça, en racontant des idioties? Ce ne sont pas des idioties. Qu'est-ce qui t'arrive? T'es enragé, toi aussi? Moi, je ne desserrerai pas les lèvres à ta place, ma mère. Ce ne sont pas des idioties. Je vais dire à ces types ce que tu nous fais depuis qu'on s'est marché. À nous et à maman. Je t'en prie, non, je t'en prie. Mais essaie de réfléchir deux secondes. Tu veux faire confiance à ces malades? Tu crois qu'ils vont t'aider? Ces demeurés qui se prélassent dans les bureaux de l'assistance sociale et les flics? Non mais réveille-toi! Si tu veux partir, va dans une boîte pour enfants martyrs. Oui mais combien de temps tu vas y rester, hein?
quelques jours, comme il a dit, et ensuite, où tu iras, ils te réexpédieront à la maison, ça c'est évident. Et puis d'ailleurs, est-ce que tu as le droit de quitter ta pauvre mère et ta sœur et de les laisser comme ça, seules avec moi, hein? Eh bien, Richard. Sortons de cet endroit pourri tout de suite. Qu'est-ce que t'en dis, hein? Avoue que c'est l'enfer. Je te demande pardon. J'ai pas eu le courage. Maman? Maman? Aide-moi à faire les valises. Quoi? Je m'en vais d'ici. Où tu vas? Oh, n'importe où. Quoi? Très loin. Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Je n'ai pas d'endroit où aller. Je le sais bien. Je n'ai personne, personne. Maman, maman, maman. Tu nous as, nous. Oh. Oh. Je ne peux pas l'arrêter. Personne ne peut l'arrêter. Je ne sais pas quoi faire. T'en fais pas, maman. On va trouver un moyen. Mon petit chéri. Oh, il a raison. Je suis vraiment une mauvaise mère. Oh non. Mais je l'ai vu te taper dessus et dessus, souvent et souvent. J'aurais dû te protéger contre lui. Oh, mon pauvre chéri, je ne peux pas, je ne peux pas. Oh, ne dis pas ça. Chut. Je t'aime très fort. Allez, il faut se dépêcher de ranger toutes ces affaires avant que papa soit là. D'accord? Ça va? Très bien. Richard, qu'est-ce qui s'est passé? Rien du tout. C'est vrai, tout va bien. Oui, bien sûr. Le sergent a dit que ton père t'avait frappé. Il a dit qu'on devait veiller sur toi. Je peux me débrouiller seul, merci. Je ne veux plus être Ranger, c'est terminé. Qu'est-ce qu'il y a, Richard? Pourquoi vous l'avez dit aux copains? Tout le monde le sait. D'après vous, comment on pourrait me respecter comme Ranger maintenant? J'avais confiance en vous. Je n'ai rien dit à personne. J'ai demandé à deux de tes amis de veiller sur toi. Je voulais te donner un coup de main. Mon père m'a dit de n'avoir confiance en personne. Il avait raison. Alors, Richard, comment ça va? Ça va. Tout va vraiment très bien. Déborah a des problèmes, à moins que tu ne veuilles pas en parler maintenant. Vas-y, chérie, dis à M. Gaffner ce que tu as, n'hésite pas. Je vais bien. Parfait, c'est ce que j'espérais entendre. Je vais vous donner une de mes cartes au cas où vous vouliez me parler. Tenez, voilà mon numéro de bureau et voilà mon numéro personnel si vous en avez besoin. Parfait, merci. C'est sympa d'être passé nous voir.
Excellent gâteau, Madame Junkie. C'est très léger. Merci. Vous serez toujours le bienvenu ici. Nous fêterons notre anniversaire de mariage dans un mois et vous êtes invité. Oh, ce sera un plaisir. Il a laissé sa carte à papa. Théoriquement, c'est nous qui vient aider. C'est à lui qui donne sa carte. Bon, encore merci. À bientôt. On va à la chasse ensemble, hein? Je vais t'aider. Dépêche-toi, je suis en retard. Mon père rentre tôt, il faut que je me prépare. Il m'a dit qu'il m'invitait au restaurant. Amuse-toi bien. Oh, ne tronche pas les ongles. Oh, je suis énervée, je sors à peine du fauteuil du dentiste. Je vais déposer du linge à la teinturerie. Déborah, tu as deux épingles à nourrir sur ta jupe, chérie. Qu'est-ce que ça peut faire? De toute manière, mes affaires sont ridicules. Je crois pourtant qu'avec ton père, on t'achète de jolies choses. C'est jamais moi qui les choisis. Prends tes chaussures, range tes livres. Oh, ça va, laisse-moi. Déborah, je t'en prie, sois un peu plus gentille, hein. C'est notre anniversaire de mariage et avec ton père, on va passer une soirée très tranquille, en amoureux, tous les deux. En amoureux avec papa, mais c'est un malade. Mais non, mais arrête de dire ça. C'est un malade et tu le sais très bien. Allez, range tes bouquins. Comment tu peux faire ça? Comment? Tu ne l'as jamais vu? Il venait dans ma chambre quand j'étais petite et il s'allongeait près de moi. Il me caressait partout avec ses mains, tu le sais. Mais non, arrête! C'est pas vrai. Il faut que vous mangiez très tôt. Hein. Richard! J'ai fait du... Oh. Du saumon avec du riz. Allons, Richard, descends, s'il te plaît. Ton père m'emmène dîner au restaurant. Et tu sais que ça me rend très nerveux. Maman, il faut que tu m'emmènes à l'école ce soir. Et pourquoi? Je clé 10 ce matin, il y a un truc de secourisme. Et il faut que je fasse une démonstration. Mais je ne suis pas ton chauffeur. J'en ai assez de jouer les chauffeurs, moi. Qu'est-ce que je peux faire? T'as récupéré ta veste? Ta veste. Oh, je t'offre de jolies choses et tu les donnes à tes petits copains. Je ne l'ai pas donné à Billy, je lui ai prêté, c'est tout. Oh, mais j'en peux plus! Je me bagarre avec votre père pour que vous ayez des vêtements convenables et voilà les remerciements auxquels j'ai droit. J'ai fait tous ces sacrifices. Maman. Pour vous deux, vous entendez? Je reste mariée à cause de vous. Tu as notre permission de t'enfuir. Mais arrête de répondre, Déborah, tu n'es pas un ange, toi non plus. Oh, Déborah! Ne la gronde pas, voyons, arrête! Mais c'est faux! Maman! Oh, maman! Qu'est-ce qu'il y a? Calme-toi! Calme-toi! Oh, oh. Qu'est-ce qui se passe? Oh, rien, chérie. Rien du tout. Je t'en prie. Hé, hey, une minute. Non, tout est arrangé. Je t'en prie. Non, mais t'as fini d'appeler ma femme, dis donc. Tu veux me démolir mon mariage, hein? Arrête! Papa, arrête! Ne fais pas de mal à mon frère! Sale petite carte! Je suis chez moi ici, t'entends? Je suis chez moi! Je veux t'apprendre à respecter ma femme! Je vais me débarrasser de toi! Je vais trouver un moyen! Viens, ça suffit! Je t'en prie, viens! T'es devenue une larve répugnante qu'on a envie d'écrabouiller! Ce soir! Il faut que tu branches tout ça! Et que tu sortes les poubelles, hein? Non, non! Et je ne veux pas te revoir quand je reviens à la maison! Oh, je t'en prie! Pushka! Petit! Petit! Oh. Richard, je ne trouve pas la chatte. Andrushka, viens ici! Petit! Viens, c'est fini! Viens vite! Viens!
siège, puis préparer du lait en rouge. Un de ces jours, je ne sais pas que ce sera toi, moi ou maman, mais un jour il sera tellement en colère, tu sais, qu'il tuera quelqu'un. Ah! Oh, oh, Richard! Oh non! Regarde ce que j'ai fait! Regarde! Il faut que je nettoie! Il faut que je nettoie! Oh, regarde ça, j'ai tout sali! Oh, c'est pas vrai, il va me tuer. Non. Oh, papa va me tuer. Oh, il faut que je nettoie ça. Non. Non. Oh, il va me tuer. Richard. 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 Richard, où tu vas? Je vais te protéger, Déborah. Je vais nous libérer. Tous les trois. Richard! Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est pas grand-chose. Ah. C'est une surprise. C'est, on dirait un palmier, non? Un palmier comme celui là-bas chez nous à Puerto Rico. Oh. Je te revois debout juste à côté. Tu attendais bien gentiment que je sorte de mon travail, tu te souviens? Ouais. Je trouvais que tu étais l'homme le plus séduisant de toute la terre. M'arrête. Tu avais un pantalon blanc et une chemise noire. Oh, c'est vrai. Je n'avais pas beaucoup d'affaires en ce temps-là. Je te rappelle, il fallait que je les lave tous les soirs. On était drôlement heureux. Ouais. Oui, c'est vrai. Richard, Richard, attends, je t'en prie. Écoute, attends, il va te tuer. Il va te tuer. Je vais te déposer dans le parc. Non, il va gagner. Il est le plus fort. Ne fais pas ça, je t'en prie. Mais il les a prises. Il a pris les clés de la voiture. Oh. Il va falloir que tu marches. Non, non, attends. Non, Richard, je t'en prie. Quand tu chasses ce fusil, il va piquer une crise. Mais qu'est-ce que tu fais? Papa m'a montré ce que je vais faire pour toucher une cible. Ah, Richard, attends. Tiens, au fait, Madame Scofield nous a invités à dîner la semaine prochaine. Ah? Oui, elle fait une petite fête. Ouais, c'est bien, j'espère que j'aurai pas trop de travail. Tu connais les Anderson plus loin sur la route, ceux qui ont des chevaux? Ils vont venir. Ils ont l'air bien braves, tu verras. Ouais, toi, avec des gens qui ont l'air bien braves. Je vais te faire souffler un vent de panique sur cette ville avec les preuves que j'ai contre tous ces bien braves gens. Je sais. Tu es très bon dans ton travail. Tu es très malin. Ouais, merci. Tu lis dans les pensées des gens. Ça, oui, sûrement. Non, mais j'ai toujours su que tu étais malin. Oh, c'est ton intelligence qui m'a séduit. Tiens ça comme ceci, d'accord? Richard, j'ai peur, tu sais. C'est juste pour te défendre. Non, sincèrement, arrête, il vaut mieux tout ranger. Non, il faut que j'aille jusqu'au bout, sinon rien ne changera, tu le sais très bien. Je vais allumer toutes les lumières, comme ça en arrivant, il sera aveuglé. Oh, papa a son pistolet sur lui. Son étui est vide, il est sur le lit, tu n'as pas une chance. Oh, Richard, je t'en prie, arrête, s'il tu te plaît. Tu ne t'approches pas du garage. Mais les bêtes, elles vont se paniquer. On va les mettre à la cave, t'as raison.
et je lui ai montré le mandat de perquisition et j'ai découvert qu'il avait un deuxième jeu de livres de banque et de dossiers, ce qui prouvait qu'il avait monté une combine illégale avec ces îles du Pacifique. Ah, mais bien sûr, il a voulu faire son numéro. Ouais, c'est un balèze, il fait dans les 100 kilos au moins, tu vois. Alors, mais je te l'ai bien attrapé. Là, juste là. Il ne pouvait plus bouger le petit doigt, c'est minable. C'est fantastique. Oh, attends, Richard. On pourrait s'enfuir. On ne peut fuir nulle part. Richard! Oh, tu es incroyable, tu sais. Alors, je t'assure, je pense ce que je dis. On pourrait tout faire, tous les deux, dans la vie. Tu es un vrai magicien. Je te rappelle à mon anniversaire, tu t'es agenouillé et tu m'as chanté Joyeux anniversaire en italien, Richard. Personne ne me chantera plus Joyeux anniversaire en italien maintenant. Déborah, tu veux rentrer là-dedans? Impeccablement rangé à la maison, il y a des têtes qui vont rouler. C'est moi qui te le dis. Chérie, s'il te plaît, ne parlons pas de ça. Nous avons passé une gentille soirée. C'est notre anniversaire. Nous pourrions aller au cinéma. Tiens, pour une fois. Je vais en faire un homme. Non, on rentre à la maison. Tu sais ce que j'aimerais, qu'on marche. Oh, ça me ferait plaisir. Et puis ça nous ferait digérer. Merci. Bien. Regarde, toutes les lumières sont allumées. Déborah a dû oublier d'éteindre. Il va falloir que je lui apprenne à ne pas oublier. Et les portes du garage sont fermées. Richard a dû les fermer avant de se coucher. Toujours qu'il laisse quelque chose traîner, celui-là. Oh mon Dieu! Non! Oh non, c'est pas vrai! Elle va bien, dépêche-toi! Retourne-y. S'ils te prennent avec moi, elles vont dire que tu étais complice. Non, j'ai peur, Richard. Écoute, tu ne peux pas rester là. Retourne-y et essaie de leur expliquer pourquoi j'ai été obligé de faire ça. Vas-y. Richard.
Dépêche-toi! Il faut que j'aille avec lui. Non, 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 madame. Venez avec moi. Nous arriverons en même temps que l'ambulance. Vous ne comprenez donc pas. Il va se réveiller. Il croira que je l'ai abandonné. Madame Jenki, dites-moi, vous ne savez pas du tout où sont passés vos enfants? Non, mais je vous en prie, dépêchez-vous. Je veux être là quand il se réveillera. Bien, vous avez 15 secondes pour nous donner le nom de ce poisson. Une seule réponse. Richard, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? J'ai tué mon père. Attends, je reviens tout de suite. Il s'agit d'un assassinat au nord de Cheyenne. Vous entendez ça? La police recherche les deux enfants de la victime. Il est dans la chambre. Pour l'instant, nous n'avons absolument aucune autre information. Richard, tu n'as pas d'armes sur toi? Non. Je n'ai plus besoin de tirer sur personne maintenant. Mais pourquoi t'as fait ça? Richard, police, nous allons entrer. Ne bouge pas. Ne vous inquiétez pas, je suis pas armé. Ne t'affole pas, mais on est obligé de te passer les menottes. Allez, en route. Tu as le droit de garder le silence si tu veux. Si tu te décides de parler, tout ce que tu diras pourra être utilisé contre toi. Tu es Debbie Jonky? Déborah. Pas Debbie, je m'appelle Déborah. Obligé pour l'enquête. Non, ça, ce sont ses affaires. Il ne faut pas les prendre. Non, 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 pas mes fleurs. Je vous en prie, c'est mon mari, il me les a offertes. Excusez-nous, madame Jonky. Nous devons savoir ce qui s'est passé ici hier soir. J'ai des enfants, moi aussi. Et j'avoue que j'ai bien du mal à comprendre. Je veux aller dans la maison. Madame Jonky. Mais il faut que je change de robe. Cette odeur de sang me rend malade. On va vous en apporter une. Il faut que vous veniez avec nous au poste. Non, attendez. Il faut que j'aille chez l'épicier. On dîne toujours à 5 heures. Vous n'aurez pas à faire de cuisine ce soir, Maria. Mes enfants. Ils vont bien. Ils sont au quartier général. Vous pourrez sûrement les voir bientôt. Non, non. Je voulais juste savoir s'ils allaient bien, c'est tout. Il y avait des armes dans toute la maison.
Oui, en fait, c'est à cause de lui. Si j'ai bien compris, c'était au cas où il aura un ennui. Où est ma mère? Elle va bien? Combien d'armes votre frère a-t-il pris dans le placard? Il en a mis deux dans la salle à manger et une près de l'entrée. Je ne croyais pas. Je ne croyais pas qu'il allait vraiment tirer sur mon père comme ça. Je croyais qu'il voulait lui faire peur. C'est vous tout. Saviez très bien ce qu'allait faire votre frère. Vous êtes resté avec lui, vous aviez une arme à la main. C'est bien ça. Oui, mon frère. Il faut que je voie mon frère. Deborah Junkie, nous allons vous arrêter pour meurtre au premier degré. Pour préméditation de meurtre au premier degré, complicité de meurtre au premier degré. Vous voulez appeler quelqu'un? Je ne connais personne ici. Ah si, attendez. Mon professeur, Eve Whitecomb. Je n'ai rien fait. Richard, laissez-moi parler à mon frère, s'il vous plaît. Richard, je vous en prie. Richard. Déborah. Bonjour, Madame Whitecomb. Je suis venue aussi vite que j'ai pu. Je suis venue t'aider. Peu importe ce qui s'est passé, je sais que ton frère et toi, vous n'êtes pas des assassins. Ça fait les titres des premières pages, tout le monde est au courant. Je t'en supplie, reste calme. Il croit que je suis un monstre, me pose 10 000 questions. Allons, accroche-toi, Déborah, accroche-toi bien. Tu ne leur dis rien tant que nous n'avons pas trouvé d'avocat. C'est trop tard. Je leur ai dit tout ce que je savais. M'emmener où? À l'hôpital pour procéder à des examens. C'est votre mère? Maman! Présentez! Arme! Sur l'épaule, droite, à droite, droite, en avant, marche. Monsieur Barrett s'est arrangé pour que vous voyiez les enfants. C'est un enterrement très réussi. Merci d'être venu. J'ai dit à Richard que je m'occuperai de l'affaire. Je vais m'arranger pour qu'une caution soit versée. J'ai essayé d'être une bonne épouse et une bonne mère. J'ai fait mon devoir. J'ai fait ce que j'ai pu avec ce que j'avais. Les enfants ont besoin de vous maintenant. Ils n'auraient pas dû faire ça. Je vais jouer carte sur table avec vous. Les habitants de la ville sont plutôt fous de rage.
J'ai essayé de transférer l'affaire devant un tribunal pour mineurs, mais le juge considère qu'il s'agit d'un crime d'adulte. Le procureur dit que les enfants ne préparent pas soigneusement un crime comme ça. Le geste de Richard était une embuscade, une exécution préméditée, un meurtre et rien d'autre. On va se retrouver en prison. C'est une possibilité. Vous pouvez, en tant qu'adulte, être inculpé de meurtre au premier degré. J'ai demandé au procureur si on plaidait l'homicide par imprudence, s'il prendrait votre âge en considération et s'il accepterait une liberté sur parole. Il a dit non. Il pense que c'est son devoir envers l'État. Mais vous ne lui avez pas dit... Enfin, vous n'avez pas dit au juge que notre père nous battait depuis toujours, il le sait. Si, je lui ai dit. Le procureur dit que cette affaire n'a rien à voir avec la légitime défense. L'État du Wyoming reconnaît les femmes battues, mais pas les enfants battus, malheureusement. Je veux rentrer chez nous. Vous êtes libre jusqu'au jour du procès. Madame Whitcomb a dit que tu pouvais habiter chez elle, et Richard, tu peux venir chez moi tout le temps qu'il faudra. Et vous pourrez vous voir, bien sûr. Maman ne veut pas nous voir. C'est ça ? Elle est encore bien secouée. Vous savez, elle ne s'est jamais interposée. Enfin, pas vraiment. Elle a toujours pris le parti de papa. Je veux voir ma mère. Quand je suis passée au marché, Lydia Bell était vraiment folle de rage. Elle a dit que si Richard n'était pas condamné, ce serait comme si on accordait un permis de tuer à chaque enfant mineur. Alors dis à Lydia Bellet que Richard devrait attaquer l'État du Wyoming. Il a demandé de l'aide. Il n'a pas été ensemble. Je lui ai dit, mais c'était peine perdue. Tous ces articles qui ont paru dans la presse sur les coups donnés par le père seraient exagérés. Et Richard a tendu une embuscade à son père, il l'a tué de sang-froid. Il a été tué par son père. Et pendant toute sa vie. Quand est-ce qu'on mange, maman? Tout de suite. Prends les biscuits. Mais attention à ce que tu fais. Si tu n'as pas été brillant à l'école, tu n'auras pas de glace ce soir. Allez. Et tu iras te coucher tout de suite. Assieds-toi, Sean. Tiens-toi tranquille. Tu en veux, toi aussi, j'en suis sûr. Richard, allons, viens t'asseoir. Allez, goûte ça. Oh non, j'en veux plus. Allons, ça suffit, voyons. Un seul morceau à la fois, s'il te plaît. Et passe-moi les verres, s'il te plaît. Hé, renversez pas. Mais non. Tu ne veux pas de pommes de terre? Richard, il faut te servir, sinon ils vont tout avaler, tu sais. Merci. J'espère que tu seras bien ici. Oh, c'est pas génial, mais autrefois, c'était mon bureau. Ma mère dit que c'est un lit super. Elle y a dormi tout le mois d'août. Tu peux mettre tes affaires par là. Je t'ai vidé quelques tiroirs. Déborah, tu veux m'aider, s'il te plaît? Merci. Les draps sont tout propres. Je les ai oubliés dans la machine à laver. Pour le dîner, je te fais des pâtes?
Je crois que tout le monde va être fou de rage après vous, pour m'avoir accepté ici. Je parie que tout le monde pense que vous dormez avec un marteau ou une massue sous l'oreiller. Est-ce que Eve Whitcomb se soucie de ce que peuvent penser les gens? Expliquez-moi, c'est vrai, pourquoi vous vous en fichez? Parce que je suis célibataire et je fais ce que je veux. Richard? Pas de problème. Tout le monde a accès au frigo chez nous. Tu veux du poulet froid? Non, merci. Bon, alors bavarde dans deux minutes. Tu sais, quand on ira au tribunal, selon la loi du Wyoming, on ne peut pas plaider l'incapacité comme système de défense, mais on peut plaider la démence passagère. J'étais pas dingue et je ne veux pas qu'on puisse le croire, ça n'en est pas question. On va faire témoigner votre mère, elle va dire que vous étiez souvent battu. Elle ne voudra jamais l'admettre. Elle ne pourra jamais accepter ce qui se passe. Je ne savais pas qu'il existait de braves gens comme vous, votre famille, des gens à qui on peut faire confiance. Moi, nous ne sommes pas parfaits, tu sais, Richard. Nous avons nos disputes, nous avons nos problèmes aussi. Oui, mais vous ne vous battez pas entre vous et vous ne vous tuez pas. Non, Richard. Nous évitons de le faire. La première chose dont j'arrive à me rappeler, j'étais caché dans un placard. Ma mère m'avait enfermé dans un placard parce que je ne sais plus qui avait cassé un de mes jouets. Elle savait que papa allait me battre. Je l'ai entendu arriver dans le couloir. J'entendais ses pas. Je l'ai entendu qu'il l'a frappé. Il criait, il hurlait même. Et moi, je suis resté dans le noir tout seul. Je suis resté là et j'avais honte. Oui, j'avais honte de moi. Parce que je me cachais et que je ne pouvais pas l'aider. Je voulais déjà qu'il meure. Je voulais que ça finisse vite. Est-ce que tu as jamais pensé aux conséquences? À ce qui pouvait se passer après? Je voulais juste que ça s'arrête. Il fallait que ça s'arrête. Richard, tuer n'est pas une solution. Faire justice de ses mains ne peut pas être la solution. Il y a d'autres réponses, tu sais. Je veux dire que c'est bien normal. Il faut savoir trouver la solution. Maintenant, je sais. Je n'aurais pas dû faire ça. Je n'aurais pas dû. Ah, je sais. Tu as le droit. Les hommes ont le droit de pleurer. C'est pas grave. Cauchemar idiot. J'étais assise dans une chambre, en fait une jolie chambre, et j'écrivais, et puis il me semble que j'étais là depuis longtemps, et j'ai senti brusquement quelque
certainement s'en sortir. Il faut que tu croies. Crois à la justice. Crois au système. D'accord? Oui. Je pense à ma maman. Oh oui, ma petite chérie, je sais. Je le sais bien. Tout va s'arranger. Tu verras. J'essaie de nettoyer les taches. Vraiment tout essayer. Tous les jours, j'essaie. Maman, tu n'aurais pas dû faire ça. N'importe ce qu'il a fait, il était mon mari. Et c'était ton père. Maria, nous savons tous qu'on n'a pas le droit de tuer. Mais ce que Richard et Déborah savent du monde dans lequel ils vivent, ils l'ont appris par votre mari et vous, ils ne savent pas qu'on peut choisir. Et sans votre témoignage, ils ne pourront pas ressortir librement. Ils vont être jugés. Ils ont plus de chance que leur père. Vous voulez qu'ils restent en prison? Vous croyez qu'ils doivent y moisir? C'est ce qui va leur arriver si vous ne dites pas ce qui se passait chez vous. Maman, je t'en prie. Il faut que tu dises la vérité. Il faut que tu ailles à la barre et que tu leur dises la vérité. Je ne peux pas. C'est notre vie privée, ça. Aujourd'hui, elle fait les premières pages et on en parle à la télévision. Nous avons toujours été une famille respectable. Maman, c'était pas une famille. On n'a jamais été une famille. Tu honoreras ton père. C'est bien ce que la Bible nous dit. Et ton père est mort. À tout jamais. Et vous deux, vous êtes vivants. Et en pleine santé. Et où sont tes cicatrices? Je voulais juste te délivrer de lui. Je le dis et je le redirai tout le temps. On ne doit pas tuer son père. Il le fallait, c'est de comprendre. Je me tenais dans le garage, j'avais le fusil et... Tout ce que je voulais, c'était le jeter, m'en débarrasser. Mais il était trop tard. Il fallait que je l'arrête. Alors j'ai appuyé sur la détente. J'ai senti les balles qui le frappaient. Ce que je voulais faire, c'était jeter mon fusil. Ouvrir la porte du garage. Et le serrer dans mes bras. Thank you.
Maman, pardonne-moi. Le 9 février 1983, Richard Jahnke a été inculpé d'homicide volontaire et condamné à une peine de 5 à 15 ans d'emprisonnement dans le pénitencier de l'État du Wyoming à Rawlins. Deborah Jahnke a été condamnée le 27 avril à une peine de 3 à 8 ans d'emprisonnement dans le centre de correction pour femmes du Wyoming. La Cour suprême du Wyoming a rejeté les deux appels. En décembre 1984, la peine de prison de Deborah a été suspendue par le gouverneur. Elle est maintenant en liberté sur parole. En juin 1984, le gouverneur commua la peine de Richard. Il a été transféré au centre de rééducation du Wyoming à Warland. Il y est à ce jour.